Donc la coopérative laitière de Bourg-Saint-Maurice a vraiment démarré en 1964. Elle avait démarré dans le centre de Bourg, là où on a le magasin actuellement. Nous avons dû déménager parce que nous étions plus aux normes en 1992 dans la zone artisanale où là on a construit une coopérative toute neuve, on a démarré zéro. Donc on a fait la salle de production et aussi les caves d'affinage. Tout ça parce que nous étions en ville et on ne pouvait plus agrandir là où on était. Donc la coopérative de Bourg-Saint-Maurice est une coopérative à gestion directe. Nous possédons donc un atelier de fabrication à la zone artisanale ainsi que des caves d'affinage pour récolter au moins 8 millions de litres de lait pour 52 producteurs. Dans cette coopérative, on fabrique deux sortes de beaufort, donc le beaufort d'été qui est fait avec du lait d'alpage, donc du 1er juin au 31 octobre. Et ensuite, ce sont les beauforts d'hiver, donc quand les vaches mangent du foin. Ces deux beauforts ont une différence de goût. Le beaufort d'été est quand même plus fruité que le beaufort d'hiver. Nous commercialisons le beaufort par le biais de nos magasins en vente directe. Donc nous en possédons un grand à Bourg-Saint-Maurice en face de la gare. En saison, nous en avons quatre, un sur Val, un sur Tignes, La Rosière et Les Arcs. Et de même que nous avons aussi un magasin en ville sur Grenoble à l'année. On arrive à passer 30% de la fabrication du beaufort en vente directe, et sinon le reste est distribué autre part par le biais de grossistes.
Nous avons créé aussi un site internet donc, pour que les gens puissent acheter à distance leur Beaufort. De même qu'on a créé un site récemment, la Beaufort Express, pour que quand il y a trop de monde dans le magasin, les gens ne sont pas obligés d'attendre et ils peuvent récupérer leurs commandes sur place en passant par le Beaufort Express sur internet.